Bonjour à toutes, bonjour à tous. Formule particulière pour présenter nos résultats de fin d'année 2020. Et comme vous le savez, évidemment, 2020 a connu une crise sanitaire qui, bien évidemment, a impacté l'ensemble des secteurs économiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter nos résultats à fin de 2020. Vous verrez, comme vous le verrez, donc Sims les présentera. Nous avons, en tous les cas, le CIH a fait preuve d'une résilience face à cette crise, puisque nos résultats ressortent à un peu moins de 250 millions de dirhams, sachant que la banque a non seulement, bien sûr, accompagné l'effort national pour faire face à cette crise avec un don de 250 millions de dirhams au fonds Covid qui a été institué par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Mais également, la banque a accompagné l'ensemble, que ce soit les particuliers ou les entreprises, pour les supporter à faire face à cette crise. Alors, pour les particuliers, nous avons bien évidemment procédé à l'ensemble des reports que les particuliers souhaitaient. Comme vous savez, le CIH agit particulièrement dans un secteur qui est celui du secteur du logement social et de manière générale à des produits qui sont destinés à la population, à revenus modestes. Nous avons en particulier pour cette population procédé à un report de plus de 60 000 dossiers et ce sans frais supplémentaires, c'est-à-dire que finalement les clients n'ont pas eu à supporter les intérêts intercalaires. Également, du côté de l'entreprise, nous avons accompagné les recommandations du comité de veille pour mettre en place les produits recommandés, donc à savoir oxygène. On me dit qu'il faut que j'enlève le son de mon PC. Alors, comment je l'enlève ? Je fais ça ? C'est bon ? Voilà. Okay. Merci. Donc, je disais, on a accompagné également le monde de l'entreprise à travers la mise en place des produits qui ont été recommandés par le comité de veille ou qui ont été mis en place par le comité de veille. Donc, tous les produits de la catégorie oxygène, les produits de la catégorie relance. Et ça continue. Vous verrez que... aussi au préalable l'effet marquant, comme à l'accoutumée. Il présentera également les résultats consolidés au 31-12-2020 et les résultats sociaux au 31-12-2020. Alors, je crois que les gens ont commencé déjà à poser des questions. On a recueilli un certain nombre de questions. Donc, on les laissera à la fin, après la présentation par Younes Zuber des résultats, pour essayer de les synthétiser et de répondre par catégorie à chaque préoccupation des uns et des autres. Encore une fois, merci de vous être joint à nous, à cet webinaire, mais particulier, puisque c'est un webinaire qui présente les résultats de CH, comme je le disais. Si Younes, vous avez la parole, donc vous pouvez commencer la présentation. Merci. Merci. Au 31-12-2020, une présentation en quatre temps. On va commencer avec quelques faits marquants dont a déjà parlé Monsieur le Président. On va passer dans un deuxième temps l'activité commerciale de CIH Bank au 31-12-2020. On va vous présenter aussi les résultats consolidés avant de finir en quatrième temps et dernier les résultats sociaux sur base individuelle de la banque au 31-12-2020. Donc, quelques faits. Bien sûr, Président. Donc, les principaux faits marquants qui ont caractérisé l'année 2020, bien évidemment, la poursuite du dispositif de gestion de la pandémie du COVID-19,
Comme l'a rappelé le président, donc on a traité des demandes de crédit oxygène pour 700 millions de dirhams avec un taux de déblocage de 52%. Pour la partie d'Aman Relance, on a traité un niveau de demande de 2,7 milliards, dont 1,4 milliard a été accordé avec un taux de déblocage de 88%. Un des faits marquants aussi de l'année 2020, c'est la souscription à l'opération PCI. Je rappelle qu'on a fait une opération en 2019, donc ça c'est la deuxième opération. On a poursuivi la diversification de nos sources de refinancement à travers l'émission de 4,5 milliards de certificats de dépôt et on a obtenu une ligne de refinancement de 40 millions d'euros auprès de la Bird. En termes de réseau de distribution, donc on a mis en exploitation 7 nouvelles agences, dont une nouvelle direction régionale dans la région de Sais. Toujours dans le même... Alors, on a aussi renforcé nos points de cash à travers l'implantation de 60 nouveaux GAB dans le cadre du partenariat. Et on a poursuivi l'enrichissement de l'offre digitale à travers le lancement de nouvelles fonctionnalités. Sans plus tarder, on attaque la première partie concernant l'activité commerciale. Donc, des dépôts clientèles qui évoluent de 20,5%, passant de 44,6 milliards à 53,7, dont une bonne évolution de dépôts à vue avec plus 23,2%. Les dépôts à terme ont progressé de 12,8%, essentiellement par l'effet des dépôts d'investissement de notre filiale Omnia Bank. Côté ressources marché, donc on note une évolution de 6,8%, donc en passant de 8,3 milliards à 8,9 milliards, donc à travers un encours CD qui représente au 31-12-2020 6,2 milliards et un encours BSF de SOFAC autour de 2,7 milliards. Sur base individuelle et sur l'activité des dépôts de la banque en chiffres sociaux, donc les dépôts de clientèle ont évolué de 18,3%, donc essentiellement tirés par la progression des dépôts à vue qui ont évolué de 22,9% dans un marché qui a lui aussi évolué favorablement et positivement avec un bond de 3,75%. Sur ce slide-là, on montre la dynamique sur laquelle s'est inscrite la banque depuis 2016, depuis 5 ans. Donc, on voit la progression de notre bilan. Et ça, c'est la vue passive avec les ressources clientèles qui ont quasiment doublé en l'espace de 5 ans, passant de 26,5 milliards à 50 milliards. En termes de crédit clientèle consolidé, donc... Les crédits clientèle s'affichent à 63 milliards, soit plus 18,6% sur une année glissante, avec une structure d'encours qui confirme notre stratégie de diversification, puisque les crédits hors immobilier représentent désormais 52% de nos encours, avec une évolution de 32,1%, passant de 24,8 milliards à 32,8 milliards. Sur base individuelle, sur un secteur qui a fait une évolution positive de 1,9, CH Bank a fait une évolution de 15,6, passant de 39,7 milliards à 45,9 milliards, grâce essentiellement, comme je l'ai dit, au crédit hors immobilier qui passe de 14,6 milliards à 19,3 milliards. La même vue côté actif avec un niveau d'actifs qui passait de 2016 de 29,7 milliards à 51,2 milliards, donc confirmant l'évolution de nos emplois sur 5 ans. Bien évidemment, la banque a poursuivi sa dynamique commerciale avec le placement de 689 000 produits, la conquête de plus de 264 000 nouveaux clients. Essentiellement en code 30, Seidati, nos offres qui attirent beaucoup de clients, mais aussi les autres conquêtes avec d'autres segments, avec des développements aussi des rubriques de la banque assurance et de la monétique.
En termes d'activité monétique et digitale, juste pour vous donner une idée, c'est qu'en nombre de paiements sans contact, la banque a fait 3,2 millions d'opérations, plus 35% par rapport à 2019. Bien évidemment, ça s'explique par l'effort de la banque à renforcer l'utilisation de ses services dans un cadre de COVID-19. On a aujourd'hui 441 000 connexions par jour, plus 66% sur une année glissante, quasiment 81 000 transactions par jour, et on est proche, je vais dire, de 100% des virements, puisqu'on a 95% des virements qui sont effectués en ligne. L'année dernière, on était à 91%. Côté compte consolidé, le périmètre de consolidation n'a pas subi de remarques, ne serait-ce que l'entrée en ligne de l'Anacash, un établissement de paiement qui est intégré globalement, détenu à 100% par la banque. En termes de bilan consolidé, donc le total bilan s'affiche à 89,5 milliards plus 14,4 plus 19%, quasiment plus 14 milliards sur une année glissante, grâce au côté actif à l'accroissement des prêts à la créance clientèle, comme on a vu tout à l'heure, plus quasiment 10 milliards. Le portefeuille d'investissement qui a aussi évolué, plus 2,9 milliards. Côté passif, bien évidemment, la croissance des ressources clientèles de 9 milliards et les dettes envers les établissements de crédit d'environ 4,9 milliards. Côté Emini, donc une Emini qui s'est... en hausse de 11%, tiré essentiellement par l'activité banque et services financiers spécialisés, CH Bank et SOFAC. Côté produits nets bancaires, donc le PNB s'établit à 2,76 milliards en évolution de 10% sur une année glissante. La croissance, bien évidemment, tirée par l'activité bancaire, côté CH, plus 198 millions de dirhams. C'est la variation d'une année à une autre, hein, de la variation de la contribution. Omnia Bank, plus 43 millions de dirhams et SOFAC, plus 6,3 millions. Bien évidemment, l'impact du Covid a fait en sorte que deux unités hôtelières que nous avons au niveau de Agadir et de Marrakech ont connu l'arrêt d'activité, d'où la baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et vous avez dans le camembert en bas la structure de notre PNB par contributeur avec CH Bank qui représente 76%, 15% pour SOFAC et Omnia Bank pour 4%. Dans une année, comme l'a rappelé tout à l'heure le président, donc une année qui est marquée par la hausse du coût du risque, dont une bonne partie a été constituée à titre prospectif et anticipatif au vu de l'évolution du coût du risque. Donc, c'est un coût du risque qui s'établit à 997 millions de dirhams. Donc, une forte progression par rapport à l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, nous étions à 250 millions de dirhams. 448 millions de dirhams proviennent de l'activité bancaire et 290 millions de dirhams proviennent de SOFAC. Omnia Bank continue à maîtriser ses coûts de risque avec un delta de 7 millions de dirhams. En termes de résultats nets par deux groupes, comme on vient de voir, malgré l'évolution forte de PNB, donc à cause du coût du risque, donc nous affichons un résultat de 81 millions de dirhams, résultat net par deux groupes, en baisse de 81% par rapport à l'année dernière, tiré essentiellement par la partie risque. En termes d'indicateurs, donc on a un taux de CES qui, on va dire, j'ai envie de dire, se stabilise d'une année à une autre, mais c'est l'effet beaucoup plus des dénominateurs parce que le niveau d'emploi a beaucoup évolué d'une année à une autre. En termes de taux de couverture, on améliore le taux de couverture en passant de 52,6 à 59%. En termes de ratio solvabilité, nous sommes un tiers 1 de 9,07 et un tiers 2 à 15,10. Je passerai à la dernière partie de la présentation en présentant les comptes sociaux au 31-12-2020. Donc, un total bilan qui évolue de 19,8 pour s'établir à 78,7 milliards, avec une marge nette d'intérêt qui évolue de 13,8% pour s'établir à 1,437 milliards.
C'est ce qui explique la forte évolution de la produit net bancaire de 11,8 de 2,255 milliards pour s'établir à 2,255 milliards en évolution de 11,8 avec des coûts de gestion qui évoluent de 6,7 ce qui nous donne un COEX qui s'améliore d'une année à une autre puisque le COEX à fin décembre s'établit à 55,1 contre 57,8% une année auparavant. Un résultat brut d'exploitation qui s'établit à 1 milliard et un coût du risque en social qui s'établit à 820 millions de dirhams pour donner un résultat non courant de 273 millions de dirhams, un résultat net de 249 millions de dirhams contre 451 millions de dirhams une année auparavant, d'où une baisse de 44,8%. Donc, quelques indicateurs sur base sociale, un taux de CES qui s'établit à 6,98 contre 6,85 une année auparavant, un LCR qui s'établit à 188%. Je rappelle que le minimum réglementaire qui est fixé par la Banque centrale est de 100% sur cette rubrique-là. Un ratio de solvabilité sur base sociale en tier 1 qui s'établit à 9,75 et un tier 2 qui s'établit à 17,81 contre 18,94 une année auparavant. Donc, comme on a l'habitude de vous présenter un taux de couverture de nos créances en souffrance. Donc, le taux de couverture s'établit à 60%. Si on rajoute à ce taux de couverture la partie garantie, c'est le graphe en bas, on passe à un niveau de couverture de 158,6%. Et bien évidemment, ces garanties-là font l'objet d'une revue chaque année. Et la revue de cette année-là a donné lieu à une valeur de 146%. Ça veut dire que nos garanties valent aujourd'hui représentent 146% par rapport à leur cours historique. Donc, ça ne pourrait que améliorer nos taux de couverture. Voilà, président. Je finis avec la présentation des chiffres. Pour cette présentation des chiffres. Donc, comme tout le monde a pu le constater, bien évidemment, une belle réalisation en termes. Provisions qui sont importantes et en tous les cas pas du tout normatifs, puisque en social on est à 900 millions de dirhams de provisions et pratiquement au même niveau, consolidé, qui fait ressortir donc un résultat quand même positif de 250 millions en social et 80 millions en consolidé. Alors, les collègues ont recueilli un certain nombre de questions. Je vais essayer de les passer. Alors, on m'a passé un petit papier. Je vais essayer d'y répondre à peu près. Bon, soit en faisant appel à Younes quand il s'agit de chiffres très précis que vous demandez, ou alors on va essayer de les regrouper pour bien entendu répondre thème par thème. D'abord, je vais parler. S'il y a des questions qui relèvent de l'actualité de l'entreprise, c'est ce qu'on me dit. Question : quelle perspective est chantier en 2021? Évidemment, 2021, c'est une année, j'ai envie de dire, charnière pour toutes les économies du monde. Hein. C'est une année que tout le monde espère être une année de reprise. Donc, nous, on se situe bien évidemment dans ce contexte et dans cette perspective. Alhamdoulilah, notre pays a fait face à cette crise sanitaire de façon très exemplaire, que ce soit en termes de mesures prises sur la protection sanitaire de nos citoyens, que ce soit en termes de mesures prises en termes économiques. Et donc, par conséquent, bien entendu, on va s'inscrire parfaitement dans la poursuite et dans l'accompagnement des mesures qui sont prises par notre pays. La campagne de vaccination va à une vitesse qui est supérieure à ce que nous observons dans les autres pays. Et donc, on s'en réjouit et on est optimiste quant au fait que cette campagne de vaccination, comme ça a été annoncé par plusieurs responsables gouvernementaux, prendra fin d'ici, on va dire, la fin du premier semestre et donc, a priori, permettrait une reprise, je dirais, des activités économiques de façon normale.
Bien évidemment, il reste quelques interrogations sur nos principaux partenaires, notamment européens, qui devraient bien entendu aussi peut-être s'inscrire et qui s'inscriront certainement dans ce même rythme, peut-être un peu moins lentement, c'est ce qu'on observe en tous les cas maintenant. Pour le volet CIH plus spécifiquement, notre stratégie, bien évidemment, est une stratégie de prudence, mais en même temps est une stratégie qui accompagne et qui s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc, bien évidemment, avec une forte volonté de conquête vers des clientèles particulières, notamment la clientèle jeune, et donc on va continuer dans ce sens-là. Notre réseau a atteint à peu près 300 agences, donc je pense qu'on sera à peu près à ce même niveau de taille, peut-être avec quelques agences en plus dans les zones où nous ne sommes pas présentés, mais bien évidemment on continuera à offrir à notre clientèle une digitalisation de nos process qui leur permet de faire la quasi-majorité de leurs opérations à distance, dans des conditions de qualité de service parfaites. Pour le volet entreprise, je pense que, comme vous l'avez pu le constater, nous avons fait une évolution importante ces dernières années. Nous avons atteint un palier, nous allons consolider ce palier durant l'année 2021 pour faire en sorte que là aussi notre accompagnement de l'entreprise soit au niveau de la qualité de service que nous souhaitons offrir. Donc pour nous, 2021 est une année charnière qui s'inscrit dans la continuité, je dirais plutôt de 2019. Probablement pas de 2020, on reste optimiste pour que l'année 2021 soit une année de reprise de notre économie et donc d'un accompagnement, là aussi, de CIH de cette reprise. Alors, autre question, un mot sur le dividende proposé versus recommandation BAM en la matière. C'est bien ça. Le conseil d'administration a proposé, comme vous avez pu le voir sur le communiqué de presse, un dividende de 8 dirhams qui est quand même inférieur de 50% à peu près par rapport au dividende des années précédentes. BAM n'a pas encore émis de recommandations claires en la matière, mais bien entendu, Cette proposition de dividende est une proposition qui respecte, je dirais, les ratios que nous devons observer et qui aussi a été faite dans le cadre d'une démarche de prudence. Je rappelle que au-delà de la distribution de dividendes, si notre résultat ressort à 250 millions de dirhams, ce résultat est le fruit d'un effort de provisionnement extrêmement important par la banque. J'ai envie de dire d'un effort de provisionnement exceptionnel. Donc, en fait, ce qui n'a pas été distribué, j'ai envie de dire, a été conservé dans la banque, entre les mains de la banque pour qu'elle fasse à d'éventuels risques qui auraient à se matérialiser en 2021-2022. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais ça veut dire que la banque garde entre ses mains une réserve importante qui lui permettra de faire face à l'avenir. Alors, quel est le principal paramètre? Je pense que c'est la même question. Alors, d'autres questions? Les performances commerciales, je lis, sont bonnes malgré le contexte par la crise sanitaire. Les principaux indicateurs sont à deux chiffres, mais si le PNB consolidé est en progression de 10,3%, le RNPG chute de 81%. C'est hors fonds Covid, principalement du impact au coût du risque. Peut-on avoir les détails? Combien pour le provisionnement anticipé, pour les impayés, pour le report des échéances crédits pour les 64 000 prêts à titre gratuit? Ok, je pense que Younes pourra donner quelques détails là-dessus, mais déjà, ce que je peux dire, c'est que globalement, c'est vrai que sur le consolidé, le don Covid, il impacte plutôt le coefficient d'exploitation puisqu'il est comptabilisé dans les charges générales d'exploitation.
Alors, pour ce qui est spécifiquement du coût du risque, j'ai envie de dire que c'est un peu plus que 50%, pratiquement 60 à 70% qui est le chiffre qui serait donc dû à cette anticipation des risques Covid. Alors, pour le report des échéances de crédit, dont 64 000, moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de 60 000 à titre gratuit. En fait, je rappelle que le comité de veille économique a supporté, je dirais, cette décision de façon forte et a décidé de prendre en charge entre le fonds Covid et le fonds de garantie des dépôts tous les intercalaires liés à cette opération. Donc, j'ai envie de dire que l'impact sur la banque n'est pas important. Voilà. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter à Younes. Chaque fois, quel est l'impact de la pandémie Covid-19 sur le résultat de la banque? Il est clair que c'est très difficile d'avoir le détail de l'impact, impact direct, impact indirect. Maintenant, si on fait l'exercice d'éliminer la partie d'enfant Covid ainsi que le coût du risque avec l'effort de le provisionnement prospectif que vient de développer le président, il faut rajouter quelque chose comme 360 à 370 millions de dirhams au résultat affiché, ce qui nous donnerait un résultat net par deux groupes qui tournerait aux alentours de 440-450 millions de dirhams. Je rappelle que l'année dernière, on a fait à peu près 426 millions de dirhams. Donc voilà, mais ceci étant, ce n'est pas l'ensemble de l'impact de la pandémie, parce que la pandémie aussi agit sur les chiffres commerciaux, sur les réalisations. Mais ceci étant en impact direct, voilà, on devrait être déjà au-delà de ce qu'on a présenté l'année dernière. Sinon, Président. Les pourcentages à l'UNES? Absolument. Donc, comme on l'a présenté tout à l'heure, les crédits hors immobilier représentent désormais 52% de nos structures d'encours en consolidé. Une belle prouesse, parce que je rappelle, en 2011, on était à peu près à 10%. Donc voilà, tout l'effort de la stratégie de diversification qui donne ses fruits. Actuellement, on est à peu près à moitié-moitié, 50% sur le crédit hors immobilier et moitié sur le crédit immobilier, pour faire un peu plus simple. La question concerne aussi quels sont les secteurs qui sont concernés par les branches d'activité, par ces emplois. Bien évidemment, c'est l'entreprise de manière générale, mais aussi les crédits à la consommation. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir dans les chiffres détaillés. La part des crédits à la consommation a fortement évolué, donc c'est normal, puisque nous avons pratiquement 1,5 million de clients particuliers, donc il faut bien les servir. Mais de manière générale, ce sont tous les secteurs qui sont servis dans cette évolution de nos emplois, donc que ce soit les secteurs industriels, que ce soit les secteurs du service, que ce soit les secteurs de l'agroalimentaire, etc. Êtes-vous optimiste sur l'activité crédit immobilier en 2001? Ben, j'ai envie de répondre oui. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne le soit pas. Moi, je suis sur l'activité crédit immobilier. Alors, l'activité crédit immobilier, j'imagine qu'il y a deux volets, il y a les acquéreurs et les promoteurs, mais globalement, même s'ils sont certes un peu liés, globalement, moi, on reste positif. Nous sommes un pays dont la population qui a moins de 40 ans dépasse les 50%, donc, et qui ont des besoins de logements qui sont évidents. Je pense que la problématique de l'évolution de l'immobilier est plus une problématique d'adéquation de l'offre par rapport à la demande. Nous attendons avec beaucoup d'impatience ce qui va se passer sur la nouvelle loi concernant le logement social. Il me semble que le logement destiné au revenu intermédiaire doit être boosté un peu plus que ce qu'il l'est aujourd'hui, puisque quand même notre population, elle est constituée essentiellement de ménages à revenu intermédiaire. Donc personnellement, moi, je reste très optimiste.
Même si, bien sûr, il peut y avoir ça et là, dans des endroits bien précis, des petits ralentissements sur des segments bien particuliers, qui fait que. Mais globalement, je pense que notre pays a besoin d'un développement de l'immobilier qui soit dynamique. Voilà. Alors, quelle est votre part de marché sur le produit Daman Relance, Daman Oxygène, et sur les prêts garantis du programme Relance Royale? Peut-être, Samir, tu as des chiffres sur les parts de marché de l'Oxygène et Relance? Ou là, Younes, tu ne sais pas? Bon, il me semble, enfin, je sens qu'on est aux alentours de 10%, hein, donc que ce soit sur le volet Oxygène et le volet relance. Alors sur le volet Fenara, puisque je pense que c'est de ça dont vous parlez, alors il faut savoir que le CIH a bien évidemment mis tout son réseau, toutes les agences du CIH sont disponibles pour accueillir la clientèle qui a besoin d'un crédit, qui a besoin d'être accompagnée par un crédit Fenara. Toutes nos agences ont été formées, les services du siège ont été structurés pour justement accueillir. Là aussi, il me semble qu'on doit être peut-être aux alentours de 10% ou un peu moins sur le produit de Telara. À noter que l'un des besoins que nous avons ressentis sur un certain nombre de demandes qui nous sont parvenues dans le cadre de ce programme, c'est le besoin d'accompagnement de la clientèle, d'accompagnement, de conseils, de structuration de leurs idées, de structuration de leur business plan, etc., que nous essayons de faire, mais aussi on essaie de trouver des solutions un peu innovantes, notamment en nous associant à des associations qui font une sorte de présélection, je dirais, de cette clientèle, qui aident cette clientèle à structurer leurs idées et venir, bien sûr, présenter un business plan et des choses structurées à la banque. Nous avons une expérience pilote que nous menons sur Temara, avec les autorités là-bas d'ailleurs, qui commence à porter sur des fruits, puisque le principe, c'est de faire un recrutement sur Internet des gens qui souhaitent et qui sont tentés par l'entrepreneuriat individuel, soit dans le cadre de société ou soit dans le cadre du régime d'auto-entrepreneur. Nous les accueillons dans cette structure. Cette structure les sensibilise, structure leurs idées, identifie, je dirais, les souhaits des uns et des autres, les forme sur comment présenter un projet. Et une fois que c'est un programme d'une semaine qui est fait, une fois que cela est fait, il y a un certain nombre de projets. Et puis, à partir du moment que le projet est viable, est sélectionné, ils sont présentés à la banque, bien entendu, pour un financement à travers les produits Talaqa. Alors, des chiffres, quel a été le niveau des CAPEX? Tu peux prendre la main à Younes, parce que là, c'est des chiffres, on peut les donner rapidement. Je crois que c'est 250 millions de dirhams, c'est ça. Ouais. Vas-y, continue, prends les questions. Et de digitalisation, conformément à notre stratégie, à peu près 250 millions de dirhams qui étaient engagés en 2020. Sur la partie évolution des charges sur la période Covid, donc bien évidemment, en fait, comme on avait présenté tout à l'heure et comme ça a été évoqué lors du communiqué de presse du Conseil, l'évolution est de 8,7% tirée par le fonds Covid, qui représentait 150 millions de dirhams, qui était intégralement imputé sur l'exercice 2020, mais aussi par l'évolution des charges liées à l'activité, comme on a dit, dans un effort de digitalisation. Il y a une question concernant le coût du risque, Président. Bon, le coût de risque est monté de 45 points de base à 150 points de base. Quel est le taux normatif attendu en 2021? On a toujours annoncé des chiffres aux alentours de 0,5%. Donc, on estime que c'est le coût du risque normatif auquel on devrait revenir. Donc, ce qui était d'ailleurs observé en 2019, puisqu'en 2019, on était à 0,45. Absolument, Président.
Il y a une question sur le return on equity, le REE, qui a fait, oui. Qui affiche un niveau. Moi, je voulais juste commenter la première partie de la phrase. La question, on me dit que le REE est relativement faible à 9%. Enfin, moi, je ne suis pas tellement d'accord sur le relativement faible. Un REE de 9%, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achèteraient ce REE de 9%. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont calculé 9%. Les chiffres sont beaucoup plus que ça. Peut-être qu'ils ont calculé la partie sur la partie. Mais même à 9%, je trouve que c'est bon. C'est bon. C'est un bon RO, je crois que l'année 2020 est une année quand même particulière. Faut pas se baser sur l'année de 2020 pour tirer des conclusions. Je pense que le challenge auquel nous devons faire face pendant ces années 2021 et peut-être essentiellement 2021, c'est pouvoir générer du PNB, du bon PNB, d'accord, et en même temps augmenter la résilience de la banque. C'est ça le challenge. La banque et le système bancaire est extrêmement important pour le développement de notre économie. Et donc aujourd'hui, c'est moins la rentabilité que nous devons voir et plus la résilience de la banque à faire face et à accompagner l'évolution et la reprise économique de notre pays. Voilà. Oui. Une question, Président, concernant comment expliquez-vous la forte progression de la marge d'intérêt et le résultat sur opération de marché. Donc, sur cette partie-là, pour la partie EMINI, donc je pense que c'est le résultat d'une stratégie que nous avons essayé de présenter tout à l'heure avec l'évolution de notre actif et l'évolution de notre passif. Côté actif, c'est un positionnement qui nous a permis de distribuer et d'atteindre un niveau de distribution de crédit qui est important. Et de là, il y a un effet volume qui est généré par les productions d'intérêt. Côté passif, la banque continuait à optimiser ses coûts de refinancement grâce à la collecte, grâce aussi à des opérations de refinancement qui sont faites avec des conditions dans la moyenne basse du marché. Côté, bien évidemment, PNB, il y a une bonne dynamique de l'activité de la salle de marché à travers une évolution, que ce soit des résultats de change, que ce soit des résultats du trading, qui a permis d'avoir une progression de 30%. Oui. Je pense, Président, c'est l'essentiel des questions sur la partie chiffrée. Sur quel est le pourcentage des crédits qui bénéficient encore du moratoire. Donc, je pense que c'est important. Je pense sur les particuliers, il me semble que tout le monde est revenu à un règlement normal et normatif, et donc les choses ont repris leur cours. Pour l'entreprise, j'ai pas le chiffre en tête, mais là aussi, il me semble que la majorité des entreprises sont revenues à partir de janvier 2021. Mais à part, effectivement, on me signale, à part, évidemment, c'est ce que j'allais dire, le secteur du tourisme qui est effectivement fortement impacté par la crise, qui, lui, effectivement, continue de bénéficier de ce moratoire. Autre question, oui. Okay. Il y avait une question sur la partie pour dire quel était le taux d'évolution. Bon, nos commissions affichent une bonne progression sur base sociale du fait que l'effet de la massification de notre recrutement a fait en sorte que le développement de tout ce qui est activité moyen de paiement, activité monétique, c'est ce qui permet de générer une évolution d'une année à une autre. D'autres questions sur la partie. Il y a une question que j'aimerais répondre. Quel est le budget alloué à l'industrialisation et à la digitalisation de la banque? C'est tout le budget qui est alloué à l'industrialisation et à la digitalisation de la banque. Il y a pas de. Nous sommes digitaux par essence. Tout ce que nous le faisons dans une logique de digital. Il n'y a pas des investissements qui sont faits pour je ne sais quel développement et des choses qui sont faites spécifiquement pour le digital. Non, notre budget, en tout cas,
qui concerne tout le volet IT et tout le volet service, il va vers la digitalisation, l'industrialisation de la banque. Bien évidemment, il y a une petite partie du budget qui concerne le développement du réseau, mais comme vous avez pu le constater, ces dernières années, nous évoluons, notre réseau évolue entre 5 et 10 agences par an. Donc, ce n'est pas ça qui constitue la grosse partie, j'ai envie de dire, du budget d'investissement. Président, si vous permettez, sur le taux de CES, donc on l'a affiché tout à l'heure, le taux de CES en consolidé s'est établi à 9,49 contre 9,58. Ça peut sembler incohérent, mais c'est tout à fait cohérent parce que nous avons une évolution des deux nominateurs de la partie emploi qui a évolué d'une année à une autre et qui est passé quasiment de 55 milliards à 65 milliards. Côté bucket 3, vous allez le voir dans la publication, donc on est à un niveau de 6 milliards d'euros. C'est ce qui nous donne le taux de 9,49% par rapport au taux de CES. Il y a une question sur juste après. Vous disiez lors de la dernière conférence en septembre que de nombreuses entreprises étaient supervisées en 2020. Pensez-vous que le taux de casse sera élevé en 2021 avec un risque d'impayé qui explose? En fait, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que effectivement, un certain nombre d'entreprises sont sous supervision. Nous constatons aussi qu'il y a un frémissement au niveau de l'investissement, un frémissement positif. Nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'investissement. Je pense parce que tout le monde dit que c'est le moment d'investir, c'est le moment d'investir. Et donc, je reste positif. Alors, bien évidemment, en restant positif, optimiste, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces risques-là. Ces risques-là sont parfaitement matérialisés dans nos provisions prospectives. Et il faut savoir que ces provisions prospectives sont constituées secteur par secteur. Et ils sont constitués secteur par secteur avec des scénarios, avec un scénario, je dirais, optimiste, un scénario central, un scénario pessimiste. Et c'est une moyenne des trois scénarios qui est traduite dans les chiffres de sentiment. Il me semble que la banque est parfaitement préparée à toute éventualité pour 2021. Et c'est ça notre préoccupation. Au-delà du fait de spéculer, est-ce qu'il va y avoir ou ne pas y avoir, est-ce que nous avons bien préparé la banque à faire face à toute éventualité en 2021? La réponse est oui, elle est claire. Évidemment qu'il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres. Évidemment, on a parlé tout à l'heure du secteur du tourisme. Le secteur du tourisme, effectivement, il est plus exposé que les autres. Et en ce sens-là, le secteur du tourisme a fait l'objet d'un traitement particulier par rapport aux autres secteurs. Autre question. Quels sont les résultats d'Oumnia Bank en 2020 et quelle est sa part de marché? Oumnia Bank réalise de très bons résultats commerciaux en 2020. Ce que je peux dire, c'est que sa part de marché, elle est aux alentours de 25% globalement, que ce soit entre les emplois et les ressources, peut-être un peu plus au niveau des ressources. Oumnia Bank, évidemment, est une start-up, j'ai envie de dire, puisqu'elle a 3 ans d'activité aujourd'hui et que son lancement a été fait dans le cadre d'un business plan que nous avons bien entendu. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que Oumnia Bank respecte son business plan, peut-être avec un décalage de 6 à 9 mois, bien évidemment, dû à cette période particulière que nous avons traversée en 2020. Mais de manière globale, Oumnia Bank est au contraire dans son business plan et nous sommes optimistes quant à l'avenir du développement d'Oumnia Bank. Alors, les dépôts de clientèle ont augmenté de 20,5% au CIH. Contexte de crise plutôt marqué par des retraits de liquidités de la clientèle. Comment expliquez-vous ça?
Bon, je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre retrait de liquidité par la clientèle et dépôt de la clientèle. Mais il est vrai que au début de la crise, pendant le mois de mars et avril, on a constaté qu'effectivement un certain nombre de comportements qui consistaient effectivement à les retirer des guichets automatiques ou des guichets bancaires de l'espèce. Les banques ont fait face à cette demande de façon parfaite, montrant ainsi à la clientèle qu'il n'y avait aucune raison, je dirais, de retirer de l'espèce et de le mettre chez soi, c'est complètement, et que ce comportement était un comportement de peur et était irrationnel. Juste après, d'ailleurs, quelques semaines après, le mouvement s'est complètement calmé et les retraits sont redevenus à des niveaux normaux. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est plutôt une augmentation des dépôts de la clientèle. Alors, cette augmentation des dépôts de la clientèle est le résultat, bien évidemment, de toutes les précautions que le gouvernement prend dans le cadre de la crise sanitaire, bien entendu, puisque beaucoup de dépenses n'ont pas lieu, les gens ne sortent pas, les gens restent chez eux, les frais ne se déplacent moins, etc. Donc c'est ce qui fait que il faut le dire, les dépenses sont moins importantes, et donc un des corollaires, c'est que les dépôts de la clientèle augmentent. C'est quelque chose qui est observé aussi sur les autres marchés bancaires, notamment des pays limitrophes en Europe ou ailleurs. Alors, pour le cas spécifique de CIH, on a eu déjà à le dire tout à l'heure, les dépôts de la clientèle ont augmenté de 20,5%. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à 2020. Déjà l'année dernière, nous avons fait des évolutions de ressources à deux chiffres. Donc, c'est le résultat d'une stratégie qui a été entamée depuis 4-5 ans et qui fait qu'aujourd'hui, elle commence à porter ses fruits. C'est une stratégie de digitalisation, c'est une stratégie de proximité de la clientèle, c'est une stratégie d'écoute à la clientèle et de qualité de service qu'on essaye de fournir à notre clientèle. Et ma foi, cette stratégie commence à porter ses fruits. Même pendant une année où la mobilité a été très réduite, le CIH a ouvert quelque chose comme 300 000 comptes, un peu moins de 300 000 comptes. Et sur ces 300 000 comptes, il y en a à peu près 50 000 ou 60 000 qui ont été ouverts à distance, en respectant bien entendu les règles de KYC en la matière. Donc, je vous dis que c'est un résultat d'une stratégie qui ne date pas uniquement de cette année. Le fait de faire 20,5%, c'est pas parce que on est en 2020 et que 2020 est une année particulière. Sur cette évolution de 20,5%, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un chiffre au moins qu'il faut noter, c'est que pratiquement, je crois qu'elle est à 50% de cette évolution, elle est due à la nouvelle conquête de la clientèle. Voilà. Alors, est-ce que le... Oui, bon, alors la question, c'est est-ce que le taux d'épargne a évolué positivement au Maroc à l'image de ce qui s'est passé à l'international suite à la crise? Oui, pour les raisons que je viens d'évoquer. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Voilà, je pense qu'il me semble que... Alors, comment évolue l'activité de votre établissement de paiement l'Anacash? Aujourd'hui, l'Anacash est en train de mettre en place, alors je rappelle que l'Anacash, c'est notre établissement de paiement qui agit sur deux volets, qui agit sur un volet, je dirais, d'offres de services en termes de comptes de paiement, en termes de wallet, puisque notre wallet WePay est donc adossé notamment à l'Anacash, mais aussi qui offre des services d'accompagnement des autres établissements de paiement, puisque l'Anacash, en créant l'Anacash, nous avons créé une offre de services en termes de compte de contournement. Je rappelle que les établissements de paiement sont tenus d'avoir un compte de contournement dans une banque. Et comme nous devions le faire pour notre propre établissement de paiement qui est l'Anacash, nous l'avons fait de façon professionnelle et nous avons packagé un service que nous offrons aux autres établissements de paiement, c'est-à-dire les gens qui ont demandé un établissement de paiement ont besoin d'une banque, et donc nous avons une offre de service qui est puissante à ce niveau-là. Donc nous l'offrons à d'autres établissements de paiement. D'ailleurs, nous en avons quelques-uns qui sont déjà clients chez nous. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce que je disais, c'est le développement de son réseau de
de transfert cash, de son réseau de proximité de la clientèle. Donc, l'Anacash est en train de le développer. Aujourd'hui, nous sommes à une centaine de points. Et j'espère que d'ici... Alors, elle a été un peu freinée quand même par le Covid, ça c'est clair, par la crise sanitaire de 2020. Mais j'espère que d'ici 2021, nous allons multiplier par 3 ou au moins 4 ce chiffre-là. Y a-t-il d'autres questions ? Tu peux descendre, s'il te plaît. Où ça ? Les deux dernières. Donc, pensez-vous que l'impact de la crise sanitaire sur le secteur bancaire devrait se poursuivre ? Bon, on y a plus ou moins répondu. Hein. Enfin, au-delà de penser, est-ce que l'impact va se poursuivre ou pas ? Notre rôle, c'est de nous préparer à toutes les éventualités possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et il me semble que, en tous les cas, pour nous, on est fortement préparé à toutes les éventualités possibles. Une fois que j'ai dit ça, il me semble que aujourd'hui tout est en train d'être fait de par le monde et par notre pays et par les autorités de notre pays de façon d'ailleurs très 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 je dirais positive, que ce soit en termes de vaccination, que ce soit en termes de soutien à l'économie, que ce soit en termes de protection du citoyen, pour que in fine, d'ici le second semestre, nous retrouvions notre mobilité dans le temps. Et il me semble que dès que nous retrouvons notre mobilité, les choses devraient s'améliorer très, très, très rapidement. Encore une fois, je répète que, en tous les cas, nous ressentons un frémissement au niveau de l'investissement. Et j'ai le sentiment que les gens sont un peu sur le starting block pour que dès que cette mobilité soit retrouvée, eh ben, le dynamisme de notre économie soit retrouvé et même peut-être accéléré. Bon, il me semble que l'ensemble des autres questions qui restent, on y a répondu plus ou moins. Voilà, donc je ne sais pas, je ne vois pas d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Il me semble que toutes les questions qui sont posées ont été traitées directement, soit indirectement, dans d'autres questions. Pardon ? Ah, on me dit croissance externe. Ce contexte de crise sanitaire pourrait offrir des opportunités de croissance externe. Le groupe CIH est-il dans cette optique ? Où ce n'est pas d'actualité. Combien même on serait dans cette optique ou que ce n'est pas d'actualité, je ne vous répondrai pas à cette question, tout simplement. Mais oui, la réflexion est légitime, mais quelle qu'elle soit la stratégie du CH à ce niveau-là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, communiquer ni discuter de ça. Voilà. Comment s'annonce le S1 2021 ? Bien, moi je pense qu'il va s'annoncer correctement. Je pense qu'il sera, j'espère qu'il sera meilleur que celui de 2020, mais il me semble que c'est bien engagé. C'est bien engagé. C'est bon ? D'autres questions que je n'ai pas pu voir ? Voilà, donc on arrive à la fin de notre conférence de presse. Enfin, je remercie tous les participants, que ce soit les collègues de CIH Bank ou les participants de l'autre côté de l'écran que je ne vois pas. Et sincèrement, j'aimerais que tout ça soit rapidement derrière nous pour qu'on puisse vous voir. Quand même, les réunions physiques ont quelque chose d'autre qui fait que ce que nous annonçons a peut-être un peu plus de piquant et un peu plus de réalité. Merci pour votre participation. Les équipes restent à la disposition des uns et des autres. Si vous avez des questions précises, que ce soit M. Younes Zoubir, que ce soit Samer Hjioui, ou Mourad Mimouni, ou Brahim Srinini, pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Merci à toutes, merci à tous, et bonne fin. Au revoir.